Le rapport Gupta serait-il le scandale de trop pour Jacob Zuma ? La justice sud-africaine a ordonné mercredi 2 octobre la publication du rapport d'enquête de l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, contenant de graves révélations sur le chef de l'État sud-africain. Dans son rapport, elle recommande qu'une enquête sur des crimes de corruption qui auraient pu être commis par le président Jacob Zuma en poste depuis 2009 soit ouverte dans les 30 jours. Quand vous lisez le rapport d'Eskom au Gupta, vous vous rendez compte que les ressources sud-africaines ont été confisquées par quelques individus au profit de certains. Le rapport vise particulièrement la puissante famille indienne Gupta, qui sera entre autres accusée d'être intervenue auprès du chef de l'État pour la nomination de ministres et de dirigeants d'entreprises publiques. Dans l'immédiat, l'opposition sud-africaine envisage de déposer une motion de censure le 10 novembre pour exiger le départ de Jacob Zuma, dont le mandat prend fin en 2019. Ce n'est pas la première histoire de scandale qui éclate depuis le début de cette mandature de Zuma. Et qu'aujourd'hui, il y a une certaine frustration au niveau de la population, au niveau de la classe politique, de l'opposition, mais surtout au niveau de son propre camp, l'ANC. Que cette motion de censure aboutisse ou pas dépendra de l'énergie que l'opposition, dépendra de l'énergie que la société civile mettra dans la conduite de cette demande-là. En avril 2016, l'opposition avait déjà déposé une motion de censure qui s'est soldée par un échec contre le président Jacob Zuma. Étant donné que le soutien dont il jouit au sein de son parti, l'ANC, commence à s'effriter, quelles seraient les chances de cette nouvelle motion d'aboutir ?